La Société Générale Maroc, banque universelle créée en 1913, a dévoilé à Casablanca, aux médias, sa nouvelle exposition baptisée « Rehla Voyage », axée autour du cosmopolitisme qui interroge sur les réalités auxquelles renvoie la notion de frontière. Cette exposition, commissariée par Rim Labi, sera ouverte au public à compter du 14 janvier 2019 à l'espace d'art Société Générale et se poursuivra jusqu'à la fin de l'année en cours. Et cette année, cette exposition que vous allez découvrir en avant-première est une exposition inédite. Alors, ce voyage est un voyage dans le temps et dans l'espace. Ça commence à l'époque des Mérinides, époque magnifique de notre histoire, avec un personnage, Ibn Battuta, le prince des voyageurs, et une ville, Tanger, une ville mythique. Et ce voyage continuera pour en même temps interroger des sujets d'actualité, des sujets autour des frontières. Et c'est aussi un voyage intérieur qui finalement nous interroge, en tout cas qui essaye de nous projeter vers l'autre pour partager ses espérances, ses drames dans un présent aujourd'hui tourmenté, comme vous savez, avec ces questions migratoires, ces questions des déséquilibres. Et cette mondialisation qui aujourd'hui ne réussit pas à tous les continents et à toutes les nations. Engagée de longue date dans une politique de mécénat, la Société Générale poursuit à travers cette nouvelle exposition son soutien actif en faveur des arts et du patrimoine culturel marocain. Convaincue que la culture est à la fois une nécessité sociale et un facteur de développement individuel et collectif, porteur du mieux vivre ensemble, la banque opte résolument pour un mécénat culturel inscrit dans la durée qui se traduit par une exposition thématique annuelle et la mise en valeur d'une vaste collection d'œuvres d'art.